Oh là là. Paisible après-midi. Enfin, fin d'après-midi, fin de journée plutôt. Oh non. Pff, encore un départ. Départ FPT1, VPA1, VSAV1, VLCG1, FPT2. Feu d'école. Feu d'école à ce temps-là. Ouais, bon. Pourquoi pas? FPT1 CS Gebridge pour CTA, prenons le départ pour feu d'école. C'est la police qui nous a prévenus puisqu'ils sont déjà là. Oui, puisqu'ils sont déjà là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le côté pour ne pas gêner l'arrivée des secours, enfin l'arrivée de la fin d'arrivée des secours. Voilà. Bon, les gars, vous commencez à établir les lances pour avant d'attendre l'arrivée des gars, des collègues. Ça marche. En même temps, on doit ramener alors c'est plutôt pas mal que je sois là. Alors FPT2, j'avais dit. FPT2 CS Gebridge prend le départ pour feu d'école. Bon, et encore, on continue. Alors là du coup nous je pense que nous on va être en alimentation, je pense. Je vais voir avec notre FPT. Pendant ce temps-là, il y en a un qui va en reconnaissance. Bon, c'est bon, la reconnaissance elle va être facile. EPA1 CS Gebride, je prends le départ pour feu d'école. Nous nous vous présentons sur intervention. Ouais, si on va mettre le PA de ce sens-là ou pas. Je sais pas comment on pourrait la mettre le PA. Au plus simple pour les tuyaux. Ouais, au plus simple pour les tuyaux, c'est-à-dire comme ça, je pense. Ouais. C'est parti. Voilà. Ok, on n'y touche plus. Alors, on attend encore la VSCG. Le PA, enfin le la VLCG, le VSAV. Le VSAV1 au départ. Alors c'est parti. VSAV1 de CS Gebridge se présente sur intervention pour feu d'école. Moi je vais me mettre là du coup. Pour éviter de gêner les autres, enfin les collègues. VLCG1 Gebridge prend le départ pour feu d'école et on se présente sur intervention. Derrière le VSAV ou dans le tournant. Ouais, dans le tournant, dans le virage, ce serait dommage.
Ouais, elle est pas mal. Hein. J'appelle pas le 3SM pour enfin le médecin pour l'instant. Les gars, pour la facilité d'extinction, lance sur échelle. Et un binôme terrestre. Et un binôme en voie terrestre. Par contre, ouais, tu m'essayes juste de pas mettre la limite. Ouais, donc là, nickel. Ouais. Je vais chercher la lance. On va chercher une lance. Donc là, en même temps, le principal, il a dû être attaqué par la police ou par notre chef de groupe. Donc, ça fait deux extinctions. Enfin, une extinction échelle et une extinction par voie terrestre. On va juste activer un peu plus dramatiquement sur le casque pour voir un peu plus. C'est bizarre quand même que celui-ci se déclenche comme ça. Surtout que c'est pas. Enfin, ouais. Mais surtout qu'il n'y a pas. Surtout qu'il doit y avoir personne normalement, parce que là il est 19h, donc du coup, 19h, il n'y a plus personne dans l'établissement. Enfin, il n'y a plus personne dans l'établissement. Voilà. Bon, et nous on attaque par le tout, par le bas, tu vois. Hop. Attends, on va se reculer un peu quand même. On va se mettre là, ouais, à côté du cabanon. Protégé. Attends. Il n'y a pas une. Enfin, je crois qu'on a un problème de pression là, sur le FPT. Ouais, effectivement, on a un problème de pression FPT1. Donc on va prendre le FPT2. Super! On adore. Oui, effectivement, là, il y a. C'est un beau feu, enfin un beau feu. Comment ça passe ici? J'ai une idée, et si on attaquait le feu par là-bas, par derrière. Ah ouais, par derrière. Ah oui, par derrière, bah oui. C'est quasiment pas de feu derrière, normalement. Donc du coup on aurait une plus grande facilité d'accès par l'intérieur. Moi je sais pas pour qu'on rentre à l'intérieur. Bon. Si on passe par là. Ah, nickel.
Attends, il y a quelqu'un qui se manifeste à la fenêtre là. Ouais. Attends, je m'en occupe. Laquelle? Là, c'est le là-haut là. Ah, pas là-haut, mais là, la toute petite qui est là. C'est la bordure de feu? Ouais. Ah putain, merde. Ça, tu bouges plus avec l'échelle. Tu vas? Ouais. Attention avec le bas de l'échelle. Attends, je pense un peu. J'essaie de contenir le second, hein, peut-être que je Là, c'est que là, il a bien pris le feu, donc du coup, pour nous, ça va pas être facile. VLCG1 de CS Gebright, je pour ce CTA, le feu est maîtrisé, demandons en renfort une cellule SD pour risque, parce qu'il y a un gros risque d'effondrement de la toiture. Demandons donc en renfort la cellule SD ainsi qu'un VTU. Il faut que je retourne. Ouais, bah nous du coup on a été appelé par les pompiers du secteur voisin, enfin de ce secteur là quoi, pour étayer le bâtiment qui a eu, où il y a eu le feu là, parce qu'il menaçait de tomber apparemment, mais du coup on est appelé pour pour les témoins du bazar. Donc là hop, je vais me mettre là, ouais. Je peux me mettre taillé autre. FPCE CS Malti et CSP Maltix se présentent sur intervention en renfort aux collègues de CS Gebridge. Je vais voir avec le chef de centre pendant ce temps-là, avec leur chef de groupe. J'ai vu qu'il y avait une VLCG. Je le présente sur place, donc du coup pour voir comment on fait tout ça. Ouais. Et pendant ce temps-là, moi je commence par par ouvrir le casier quoi. Ça. Ouais. Du coup, ouais. Bonjour, on est du CSP d'Altix, enfin Maltix pardon. Notre tâche, si j'ai bien compris, c'est d'éviter que le bâtiment il s'effondre, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc c'est suite à au feu et à... Comment ça s'appelle? Suite au feu et à l'eau que vous avez utilisé. C'est ça, d'accord, ok.
Donc là, on a déjà un VTU qui devrait vous arriver dans pas longtemps. D'accord. Enfin, qui va bientôt arriver. VTU 1 de CS Gebraïdj prend le départ en renfort aux collègues déjà présents sur feu de bâtiment. Nous nous présentons sur intervention. Alors, c'est parti. Ouais, donc on va aller éclairer un peu tout ça. Du coup, parce que là, une ou deux lumières, le projecteur, on va le mettre dans ce sens. Ah, attends. Il est clair dans ce sens-là, donc du coup, on va le mettre ici. Non, derrière, ici. Non, désolé, désolé, non, c'est pas ça que je vais faire. Non. Et. Alors pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Donc pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir commencer à travailler rapidement du bazar, enfin du bazar. Mince, comment ça s'appelle? Du bâtiment. Donc là voilà, on a fini d'étayer le bâtiment. Donc du coup, voilà, donc on a fini notre tâche. Si on doit vous aider à quelque chose d'autre, bah pour l'instant, non, pour l'instant on va attendre les renforts de la police pour l'enquête. Et puis après. Nous, on reste sur zone pour vérifier qu'il n'y a pas un autre problème et donc du coup voilà. Ok? Ça marche. Alpha 4 pour PC, de PC pour Alpha 4, vous partez en renfort aux pompiers ainsi qu'à l'unité déjà présente sur la PN déjà présente sur place pour un incendie. Ah ben. Alpha 4 pour PC se présente sur intervention. Les pompiers sont déjà présents. Le feu est maîtrisé à l'arrivée de Alpha 4. Salut, ça va? Ouais, donc du coup, moi, c'est quoi ma tâche? Du coup, bah, je t'ai appelé pour la sécurisation du lieu, parce que, tu vois, je suis on est que deux, donc du coup, c'est pas très simple à deux. Ouais, donc là, les pompiers finissent leur reconnaissance. Et après, nous, on pourra commencer l'enquête. D'accord. Donc quand on a l'ordre, quand les pompiers nous disent qu'on peut y aller, on rentre à l'intérieur du bâtiment. Marche. Ah, attends. J'arrive. C'est pourquoi? On peut rentrer à l'intérieur du bâtiment? D'accord, ça marche. Merci. Bon les gars, j'ai une bonne nouvelle, on peut rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ok, bon, on y va. Du coup, après, il faut pas la lâche. Alors là... Ça sent l'essence là tout. Là, on dirait que c'est la résidu d'essence. Là. Ok, tout ça. Ouais. Je vois le genre. C'est criminel. Pour moi, ce serait criminel parce qu'il y a de l'essence. Tout ça, donc du coup, voilà. C'est mais l'essence. Enfin, ça sent grave l'essence à l'intérieur. Ça, c'est genre. Je pensais qu'on avait vidé un bidon d'huile en entier sur. Dans le bâtiment quoi.
Donc pour moi c'est criminel. Donc je vais voir ça avec le chef d'établissement. Je crois qu'il avait. Je crois que la dernière fois que je l'avais vu, c'était avec le chef de. C'était avec le chef de groupe des pompiers. Bonjour monsieur, bonjour. Donc du coup on a un peu plus. On sait ce qui a provoqué l'incendie. Alors ce serait une de l'essence. Donc une inflammation avec de. Une mise en. Enfin le feu ça serait déclenché à partir d'une flaque d'essence avec un briquet. Enfin des gens c'est des. Donc des gens c'est qu'il y a de l'essence. Et après le biré le feu il serait donc. Je récapitule. Je vais y arriver, hein, excusez-moi monsieur. Donc il y en a. Quand on est rentré à l'intérieur du bâtiment, ça sentait. Il y avait une forte odeur d'essence. Et donc du coup on a déduit que le feu serait parti à cause de l'essence, d'une nappe d'essence, et par contre on sait toujours pas ce qu'il y a l'élément qui aurait mis en marche le feu. Voilà, on sait déjà ce qui a propagé le feu. Donc voilà, donc, du coup l'école est quasiment entièrement détruite. Donc du coup voilà quoi. Donc nous on va continuer l'enquête et je vous souhaite une bonne fin de soirée quand même. Voilà. Au revoir monsieur, au revoir. Voilà.